is forming. Stick together. Work together. Watch out for each other. We fight to survive. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Earthfall sur PlayStation 4, édité et développé par Holospark, sorti officiel le 13 juillet 2018, sorti le 18 juillet sur le PlayStation Network, et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. Note moyenne de 13 sur 20 sur GameRankings. Petit détour rapide sur le menu, on va juste s'attarder sur la personnalisation. Comme vous pouvez le voir, des skins vous seront proposés pour des cosmétiques des joueurs, des quatre protagonistes du jeu, Danny, Jonas, Maya et Roy, ainsi que les skins des armes, un bref éventail des armes qui vous seront proposés au début en early game pour les pings et faire les missions. Qu'est-ce que Earthfall ? Earthfall, c'est un Left 4 Dead-like qui n'a rien à envier à Left 4 Dead, justement, parce que je le trouve quand même assez complet et offre quelques nouveautés que les jeux tels que Left 4 Dead. On a une escouade, on doit aller d'un point A à un point B sans se faire buter. Et bien voilà, il n'a rien à envier à Left 4 Dead et vous allez très vite voir pourquoi. On va en parler plus précisément durant une game. Durant une game, deux chapitres qui vous sont proposés pour l'instant, à savoir que d'autres campagnes arriveront par la suite, 5 missions par campagne. Vous pouvez régler la difficulté sur 4 modes et mettre aussi l'IA. Plus ou moins apte à vous aider quand on voit écrit compétences de robot, car vous aurez des petites tourelles à placer au sol. Rien à acheter, rien de tout ça, enfin vous allez le voir de vous-même. Je lance une mission directement, comme ça je vous évite le temps de chargement. We've come all this way because of one of Danny's ideas. This guy Jacob left survival gear at Zippy Storage? Color me skeptical. Donc j'ai choisi la première mission du jeu que j'ai pas mal farmée. En découvrant le jeu, j'ai trouvé déjà que la difficulté était assez élevée, même pour le mode facile. Alors attendez-vous vraiment à en baver pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de ce genre de jeu. Je vous le répète encore une fois, c'est un Left 4 Dead-like, sauf qu'on oublie les zombies et nous sommes face à des aliens qui ont envahi la planète et nous sommes quatre survivants, vagabondants, essayant du coup de survivre comme on peut. On va placer les barricades. Première chose qui est nouvelle, voilà, vous pouvez placer des barricades qui ne souffrent que quand vos alliés ou vous-même passez à côté et bloquent directement les aliens quand ils sont à proximité. Si un alien est trop près de la barricade et vous voulez passer, la barricade s'ouvrira, mais il y aura un mur invisible pour pas que l'ennemi lui traverse. Donc la barricade fait clairement son taf. Ça, c'est une nouveauté. Parmi les nouveautés, du coup, pas mal d'armes, beaucoup plus d'armes au niveau du choix que pouvaient l'avoir les jeux style justement Left 4 Dead. On pourrait comparer aussi le jeu avec du Killing Floor, même si on se retrouve plus dans un jeu qui est dans la vague zombie avec des joueurs qui ont plus ou moins des compétences à amener pour le bien du groupe. Certains côtés, du coup, RPG tactical qui manque un petit peu dans ce genre de jeu là. Ça aurait été bien que chaque personne ait une ou plusieurs compétences à apporter pour mettre pas mal de peps supplémentaires dans le jeu. Oh là. Donc voilà, il y a aussi donc du coup différents aliens qui ont plus ou moins des pouvoirs particuliers, des grabs, des dégâts, etc. En gros, on se retrouve un petit peu, voilà, si vous voyez par exemple qu'il y a un moissonneur dans la game, dites-vous que c'est le Hunter de Left 4 Dead. Celui que je viens de buter, c'est un espèce de boomer, en fait, voilà, ça s'appelle le sapeur dans le jeu. Vous avez le Enrage qui, une fois que les ennemis sont à côté, du coup, gagne en puissance et sont en gros imprévisibles et donnent beaucoup plus de dégâts. Le Blackout, qui est pour moi l'ennemi le plus puissant du jeu, c'est un alien capable de se téléporter et de vous buter en 2 secondes. De toute façon, vous allez le voir. La Bête, qui est donc du coup un alien énorme avec un gros sac à PV qui est super dur à buter.
Et le Whiplash, c'est celui que vous avez vu précédemment, qui en gros vous chope la gueule et vous pouvez rien faire. C'est une espèce de... Bah, vous savez, un espèce de smoker, en fait. Non, pas vraiment un smoker. Enfin, je sais plus, dans Left 4 Dead, qui sait qu'il y avait une langue qui pouvait vous choper et c'était impossible de vous dégrabe si un allié ne vous aidait pas. Donc voilà. Toujours les véhicules qui ont l'alarme qui s'enclenche si vous sautez dessus ou si vous tirez. Ok, le Whiplash, il est mort. Enfin, le brise-nuque en version française. C'est, voilà, toujours l'alarme qui attirera les ennemis. Ça reste quand même assez dynamique. Graphiquement, bon, mitigé, c'est pas un graph exceptionnel. Bon, après, venant de Holospark, on pouvait pas non plus s'attendre à un jeu excellent au niveau graph, parce que bon, voilà, c'est pas un studio qui est très très connu dans le monde du jeu vidéo. Ils ont développé moins de 5 jeux, il me semble, et pas des jeux qui ont été des gros blockbusters. Donc voilà, il faut pas s'attendre à du triple A, mais au moins ça fait plaisir pour ceux qui sont en manque d'un style Left 4 Dead sur console, surtout sur PS4, vu que Left 4 Dead était déjà sorti sur Xbox, il n'y en avait pas sur Play. Si vous aimez les jeux de style point A, point B avec une squad et survivre sur différents ennemis et des lieux à découvrir au fur et à mesure du phasing map, eh bien, croyez-moi que ce jeu est fait pour vous, à savoir que le mois prochain il y aura aussi un autre jeu sur lequel je ferai un test, qui s'appelle Strange Brigade, mais c'est un Left 4 Dead like, mais en style TPS, hein, donc du coup avec la caméra par-dessus l'épaule. Ce sera beaucoup plus classe, beaucoup plus dans mon principe de jeu, même si celui-là, je le farme comme un malade depuis sa sortie. Et puis ça fait plaisir, hein. Enfin moi c'est clairement le style de jeu que j'aime énormément. J'essaie de vous montrer tous les aspects du jeu, les différents styles d'armes. Le fusil à pompe a une bonne visée, que ce soit avec la mire ou à la jugée. On atteint généralement notre ennemi. Si on sait viser un tant soit peu, qu'on a un petit peu de skill call of derrière nous, eh bien, la hitbox sera notre allié. Et on ne sera pas... Je pensais pas que la bête était si près. Dans le sapeur qu'on a buté derrière, qui a laissé une énorme flaque de sang vert. En gros, une fois qu'il est buté, faut pas aller dans la vapeur qu'il dégage une fois mort. Et il y a un Enrager pas loin non plus, j'entends les ondes rouges. Ok, c'est bon, la bête est morte. Voilà, le Enrager est là. C'est une espèce de drone qui est dans les airs et chaque ennemi qui est touché de sa zone devient enragé, tout simplement. Et a ce buff que je vous ai expliqué précédemment. La piqûre d'insuline, ça c'est toujours aussi classe, ça vous permet de reloader beaucoup plus vite, de tirer plus vite, de sprinter. D'avoir votre barre d'endurance qui ne faiblit pas, c'est le cercle jaune autour de ma vie qui est le cercle vert en bas à droite. Ça va, ils prennent bien leurs dégâts. Mais bon, après, vous allez être très vite puni si vous êtes un joueur qui fonce un peu trop et qui reste loin de son équipe. Voilà, il suffit que je le dise quand même pour vérifier aussi, faut pas non plus que je sois trop loin pour être pris à part par une horde. Si vous mettez trop longtemps à trouver la sortie, un indicateur vous le montrera sur la map, mais entre temps vous allez devoir faire face à des... Yes, le Desert Eagle, ça c'est bien ça. À des essaims d'ennemis, à une horde qui arrivera toujours pour essayer de vous buter, donc du coup il n'y a pas un nombre... limité d'ennemis sur la map, non, au contraire, c'est complètement random, et si le jeu décide de vous envoyer une vague d'ennemis dans la gueule, il le fera. Tout dépend du temps que vous allez mettre. Ça, le DE, c'est assez cool, ça one-shot généralement quand on vise bien la tête. C'est radical. S'ils prennent pas leur coup aussi de loin, je n'y peux rien. Donc voilà, normalement, bon, voilà, j'avais sélectionné une partie online, mais il y a tellement de gens qui... Ben, je suis désolé de le dire, mais qui savent pas jouer, que du coup ça m'handicape plus qu'autre chose pour vous montrer une mission que je sais faire de base, que j'ai tournée et retournée dans tous les sens. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment le cas, quoi. Je l'ai farmé comme un porc, quoi. Ce qui fait que du coup, avec 3 bots, je pouvais clairement vous montrer ce petit gameplay découverte, voilà, sans vous montrer les 9 autres missions du jeu. À savoir que les missions, quand on les connaît pas, ça peut durer entre 30 et 35 minutes. Quand on peut la rusher, comme ce que je suis en train de faire pour essayer de pas non plus faire une vidéo trop longue, bien compter environ 15 minutes, je dirais. Un petit quart d'heure. Ce qui fait que du coup, que le jeu, pour
24 € sur le PS Store et même en boîte, a une durée de vie quand même qui est plutôt agréable, surtout pour le prix auquel il vous est proposé. Il n'occupe pas énormément de gigas sur votre espace de stockage. Du coup, quand même, sont plein de petits points qui sont à apporter. Certes, il a 13 sur 20, contrairement aux Left 4 Dead qui ont chopé des 17 et des 18. Peut-être parce que ça faisait fureur à l'époque. Et putain de moissonneur, équivalent du Hunter dans Left 4 Dead, comme je vous ai dit. Ça vous grabe et ça vous lâche plus. Bon, du coup, voilà, c'est forcément un jeu où est-ce que même les bots sont cruciaux pour vous aider, parce qu'un ennemi un petit peu EP, eh bien, aura le temps de vous buter. Donc, je vais me healer, même si j'en vois pas trop l'intérêt vu la vie encore qui me reste, mais bon. Il y a un healing pack à côté. Voilà. Oula, lâchez-le. Du coup, vous êtes tributaire de vos accompagnateurs. Ah, je me disais qu'aussi les flammes quand même devaient censé les retenir. Donc voilà. Les nouveautés aussi, il y a aussi. Donc dans cette mission, il n'y en a pas. Il y a des imprimantes 3D. Donc en gros, les imprimantes 3D, en fonction d'où elles se situent, vous devez d'abord remettre le courant, faire face à une horde, bien entendu, vu que le courant est remis, ça fait du bruit. Et en gros, vous pouvez printer 3 armes aléatoires que vous propose en fait l'imprimante 3D. Et ça vous refait en fait une arme full munition. Et ça, c'est super sympa. Donc on peut les trouver dans des planques, mais on peut également... les imprimer directement, sans compter les AV guns comme les miniguns ou les lance-flammes comme celui que je porte, qui peuvent être trouvés à même le sol et vous aider grandement parce que là, leur puissance de feu, le DPS, est clairement démesuré. Donc je vous l'ai dit, voilà, c'est très très inspiré de Left 4 Dead, mais ça manquait ce genre de jeu sur console et comme c'est mon style de jeu préféré, clairement... C'est le blackout, ça y est, on a eu le flash blanc, donc lui, il a 3 barres d'armure, enfin il a 3 armures autour de lui, et il faut les démonter avant de pouvoir toucher sa vie, sans compter qu'il vous envoie des ogives de plasma de loin, et il peut se téléporter à un autre bout de la map, comme vous pouvez le voir. Voilà, Jonas a tué le blackout, c'est bien. Selon moi, avec la bête, ce sont les deux monstres les plus chauds de Hearthfall. Pour ce prix, franchement, ne vous privez pas, hein. C'est un très bon petit jeu qui peut vous faire passer l'été tranquillement. Et puis comme je vous ai dit, vous avez Strange Brigade qui arrivera au mois d'août, qui est dans le même style, avec plus un système de vagues zombies, avec un style un peu malédiction, on affronte des ennemis sortis de je sais pas, comme si on chassait un tombeau dans l'Eldorado. C'est un petit peu ambiance Uncharted en fait. Mais voilà, ça reste du TPS en vagues zombies et Left 4 Dead like quoi. Qui lui est très très attendu et qui nous promet de belles choses. Ok, j'avais peur que le brise-nuque n'ait pas été tué. Okay, je vous le rappelle, se dit Whiplash en version anglaise. Ça y est, le courant est remis, on peut enfin rentrer et terminer cette mission. Voilà, du coup je vais m'arrêter là en espérant que ce bref gameplay découvert de la toute première mission vous aura bien plu. Putain, j'ai mis 10 minutes, en effet je l'ai bien rushé. J'espère du coup que ce gameplay découvert vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao.